Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Dans le chapitre insécurité, Nadège Joseph, c'est nous, une femme agent policier national, 30e promotion, qui mourit en babal dans tête. Mon exam t'est tiré sous lit dimanche 11 décembre 2021 dans zone Clessine 2, pas trop loin, aéroport international Port-au-Prince. Marie, femme policier, ça, Johnny Bellum, qui c'est tout, yon policier national, qui était ensemble avec, blessé en babal dans le moment attaque là. Plusieurs syndicats dans la police a réagi après attaque ça, dans la publication Sinapo a fait, il fait qu'on est deux agents policiers Sayo tap sauté dans la ville au Cap pour te venir régler quelques bagailles dans la direction générale la police là. Détant il fait qu'on est agent policier ça vin Longelis, agent police qui mourit en babal bandit dans paysan. Depuis commencement année pour arriver 11 décembre 2021, gagne 52 policiers qui mourit en babal d'après chiffre Sinapo a publié. Lundi 12 décembre 2022, à plusieurs employés direction nationale Globo Tabac Assainissement d'INEPA organisé un mouvement bloqué la zone Maïgaté, pas trop loin aéroport international Port-au-Prince pour protester contre kidnapping youn directeur d'INEPA yo Paul Lid Benson Théodate, directeur centre technique exploitation dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Paul Lid Benson Théodate disparaît depuis dimanche 11 décembre 2022 d'après sa responsable d'INEPA yo fait qu'on est. Presque deux semaines depuis massacre gang exam fait dans sous matla 9e section cabaret, en pile victime parmi yo tifi ak femme lagué deux bras balancés sans aucune assistance l'état. Plusieurs victimes alter radio te rencontré raconté calvé yo te vive pendant jour soir ça. Yon nan yo qui c'est une femme qui gen 41 l'année expliqué plusieurs bandits violé li pendant attaque ça, yo bat li en pile, li pas même rivé joine moyen pour li aller l'hôpital et puis yo assassiné Maril d'Evangile en coutel qui t'a témoigné dans micro Alter Radio. Depuis lundi qui était 28 là nous te ouais la police commence à passer dans zone là et puis là nous te vinn garder nous te ouais son jeune garçon et les jeunes garçons ça jefté et puis yo met un carotune dans tête li yo boule tout vivant. Mon dans zone là même là ouais réaction en fait ou connaît chimer même c'est mon zone là ouais pas l'autre côté yo sorti. Mon yo te commence à fouiller quatre dans zone là nous commence à dire mais ça qu'a fait comme ça et puis c'est même temps tout dans 10 ans dans mardi et puis là nous vinn garder nous ouais et dit fait balle tiré et puis me dit mais on mettait dit fait dans ça mes amis lever on a dit pour lever moi même avec monsieur nous t'ai couché malheureusement monsieur a me lever me dit lever mais mon yo dit gain dit fait oui et puis me lever tout si mon yo là me lever si me dit lever chita là lever chita et puis monsieur a dit comme ça qui ça n'a fait me dit si nous prend dehors nous prend balle si nous rester là me dit fait si nous qui ça nous fait on cherche un côté dehors pour aller abriter nous dehors là me dit monsieur a nous sorti là me prend si mon yo me traîner dehors pour me sortir et puis même côté a me te gon nièce moi qui t'a venu pour le venir dire comme ça mais on met dit fait dans caille maman et puis yo te suivre nièce moi qui t'a prend balle et puis même côté yo kembe yo vinn kembe messia yo mari messia là au fin mari messia moi même yo mettais me coucher au faire cadre chaque sous moi pas débattre pas bon moi mais le stomac moi pas supporter ceinture pas supporter là au fini devant yo yo passer manchette yo couper tête messia gagne qui dit comme ça respect figure nous tire n'a la gagne qui dit comme ça puis quoi c'est courir placer là même passer même courir prendre nous gagne 4 6 monde même là me courir même passer me prendre 6 monde pour me lever pour me courir et puis gagne qui dit tirer et puis on tombe tirer derrière nous couche à terre et puis me prendre 6 monde yo moule là me vient dehors grand chemin et puis m'aller monter je fais dans la rue me chez nos amis dit comme ça nous cap cabaret la caille c'était une nan victime dans massacre sous smart là. Sous 3 jours seulement, Réseau National Cap Défense Droit Moun yo recevoir 53 moun sous ce matin là qui victime violence à Kadejak gang exam fait sous yo la nuit 29 novembre 2022. Réseau National Cap Défense Droit Moun yo fait connait yo continuer à mener enquête sous attaque bandi exam té fait dans zone sous ce matin là mais tout dans zone savane pistache ak noy dans quoi des bouquets yo profiter dénoncer silence autorité yo face à façon même population civile là continuer à victime en bas main. Gang exam yo, Marie-Ozy Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH, la pote plus détails pour nous en écouter. Au niveau de RNDDH, nous déjà gagné 3 jours depuis que nous attendons des victimes de sous matelas. Et c'est des victimes, des femmes par exemple qui sont victimes de viol collectif, nous attendons des proches de monde qui assassinés, même j'en tout, il y a des séries de monde que nous recevons qui plus parler de pertes matérielles que nous enregistrées. Et bon côté par nous,
nous déjà à 53 victimes que nous tendez qui sorti dans sous mat là seulement. Et naturellement au niveau du RNDDH, c'est après l'équipe technique qui va décider est-ce que nous avons fait un rapport ou pas, mais toujours est-il que après première information ça yo, n'a besoin d'aller sur le terrain parce que il y a l'autre information que n'a besoin à prendre directement sur le terrain. Mais en réalité, c'est une opportunité que nous avons jeudi pour nous dire que RNDDH en fait a travaillé sur trois derniers massacres en même temps. Et c'est important pour nous souligner, pour nous capables de faire comprendre que je vous dis à question massacre, question attaque armée, vient entrer dans le quotidien. Non? Actuellement, nous travaillons sous noyé toujours, que nous connaissons qui était fait entre mi et fin octobre. Et sous noyé seulement, nous tendons déjà 30 victimes, parmi eux deux victimes de viol, victimes de assassins, de poches de monde qui assassiné, même bientôt avec des victimes qui ont caïboulé. Nous travaillons en même temps tout sous savane pistache que nous connaissons, qui fait à partir de 10 novembre, attaque qui a commencé. Et c'est vrai que jeudi a gagné, soi-disant, en tant que bandit, au fait, pour pas attaquer une lotte, mais en réalité c'est seulement un entre qui concerne yo même, puisque population beaucoup de pali il continue à victime. Or pendant que nous t'es sous noy avec savane pistache, eh bien nous venons gagner sous ce matelas qui entre dans l'eau. Donc nous allons imaginer nous comment que nous gagnons une population qui tous les jours a subi attaque dans mes bandits armés parce que autorité l'état yo décidé pour fermer géo sous phénomène ça. Maintenant, un autre point encore qui est important pour nous souligner, c'est que bandi yo ba yo le mot depuis yo rivé dans zone faut yo al vide quoi yo sous mesdames yo violer mesdames yo en pile femme en pile ti monde tout victime de viol collectif et répété. Et jounen jodi a, écoutez, c'est vraiment une situation qui dépasse nous. C'était responsable programme dans RNDDH là, Marie Rosy Auguste du Sénat. Samedi 10 décembre 2022 à Johnson Jean-Baptiste qui gagne nom Boudjon, la police suspecte comme bandit cap opéré dans zone Rosenberg, commune Croix des Bouquets, mouri dans boucantay coup de zam avec la police d'après la police. Dans publication ça, la police l'a fait connaître individu ça té gagne nan men li yon zam la police rive saisi et puis li té spécialisé li dans kidnapping, braquage, vol en nuit et puis association malfaiteur. Après un procès comme ça doit, l'État haïtien a dû saisir l'agent businessman qui sous sanction gouvernement Canada depuis date 5 décembre 2022. C'est disons l'Assemblée organise droit monde ensemble contre corruption qui t'a parlé à Altea Press, à Altea Radio. En côté secrétaire exécutif ensemble contre corruption, Edouard Poult, capote plus de détails pour nous. Très souvent pays ça yo le yo fait et ce genre de sanctions, et puis Kobio va comme qui ça vous fait avec lui et ou Roman lui rentrer dans patrimoine etc. Moi-même et c'est peut-être ça nous dit faut rapatrier dossier ici en Haïti. Il faut, parce que c'est ici crime au fait, il faut que yo gagner la justice, non seulement qui investiguer et puis qui fait procès yo, et puis à partir de ce moment gagner de saisie qui pral fait, gagner de fonds que yo pral mandé et que moun qui yo qui accusé yo pour remettre pays etc. Donc c'est à travers un procès et des procès exemplaires pour bagay ça au fait. Il va finir comme ça et qui vient sénateur, il y a obligation pour le faire déclaration patrimoine au commencement. Déclaration patrimoine ça et il pral refaire le pas sénateur. Vous comprenez? Donc il faut que la justice a déterminé toute malversation que moun a fait avec obli blanchi. C'est gros bagaille lié. Crime financier, c'est gros investigation pour yo. Peut-être ça moi-même moi parler de entraide judiciaire, oui, parce que les crimes financiers c'est bagaille spécifique, spécialisé et yoyé. Vous comprenez, il faut qu'on gagne toutes les expertises qu'il faut
pour que ou capable établir côté moun nan enrichi tête li, montrer côté le blanchi comme qui est rentré dans men yo, et puis laisse ça ou fait le ou prend ou bon jugement contre lui pour reverser bagay sa yo dans le trésor public. C'était secrétaire exécutif Ensemble contre corruption, Edouard Poult. Nous lever la voix contre violence gang examio, nous lever voix contre za kidnapping yo, nous gen gros ka sauté sous crise ka brasser bil pays d'Haïti a, déclaration ambassadeur Canada nan Nations Unies Bob Rye qui était nan tête yon mission gouvernement Canada te voyé nan pays d'Haïti entre mercredi 7 pour arriver vendredi 9 décembre 2022 a. Ou ap koute 24h sur Alter Radio 106.1 FM en stéréo sur www.alterradio.org ou journal training ak tout lot plateforme internet yo. Nouvelle présidente Pérouan Dina Boluwalte a annoncé lundi li vle avanse élection yo pou avril 2024 alors que deux moun getan jwenn nan mort 5 lot pou pipiti blessé dimanche nan manifestation contre dirijante Pérouvienne nan après coup d'état manqué met arrestation ancien président Pedro Castillo. Protestation ou ap multiplié dans tout pays, surtout dans ville nord ak Andio. Plusieurs milliers moun mobilisé dans la rue Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Cusco ak Puno pour réclamer libération ancien chef l'État ak lot élection et puis mandé pour gagner en grève nationale. Europe autorité grecque cap bataille contre blanchiment l'argent gelé tout avoir vice-président parlement européen Eva Kaili qui dans prison Bruxelles pour implication présumée dans un gros scandale corruption qui gagne rapport à Qatar d'après sa président Ara Lambos a voulu otis fait connait lundi 12 décembre mesien qui a appliqué trois poche et les grecs là qui écarté dans parti socialiste PASOK Kinal après a fait ça concerné compte bancaire coffre société mais l'autre actif financier d'après responsable ça. Et puis COP 15 nan, conférence l'ONU sou biodiversité an continue Montréal, représentant plus passé 190 pays ap négocier entre yo pour essayer joignon accord sou yon vingtaine objectif yo gen ansanm pour finir ak effondrement biodiversité a partir 2030 ak surtout pour protéger 30% tè yo ak lan mè yo. Pep autochtone yo parle tout communauté sa yo qui a vive nan milieu naturel depuis un pile siècle qui sorti Pérou Australie mais tout Congo Kinshasa exige pour associer à conception mais tout gestion zone protection native qui établi sous territoire pa yo. Nous avons un état et un peuple à sauver. Par exemple, dans quelle situation on est, si moun pa ka nan l'école nan pays a, même par exemple tout situation à vivre la sécurité à l'école et tout. Parce qu'en fait, quel type de formation, je dis à fond que théoriquement, pays a en fin de dingue. Les gens ne pensent plus, les gens ne réfléchissent plus. Ils n'ont plus la capacité de réfléchir sur quoi que ce soit. Bah, ouais, par exemple, chaque matin, il y a retourné par être avec moi encore. Il doit libérer résoudre crise. Mais au lieu de tergiverser de cette manière-là, pour qu'il ne soit pas fait une tente nationale, de mettre sous pied un gouvernement de salut public. Vous avez un problème, ça. Il a lancé la paix une fois déjà. Aucun homme du pouvoir actuellement. Parce que l'on a le pouvoir, non, on a le maître, là, non. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité du pays en main. Responsabilité pays en amour. Alors aujourd'hui, je crois que le sacrifice est très simple. C'est de convoquer les Haïtiens, qui est une assise nationale sur cette question. Donc là. Cette question de gang qui prend le pays en amour, nous. Il faut qu'il y ait une assise nationale, qui ait une décision. C'est pas question de dire que nous prenons le chita. Pour nous former au gouvernement, nous prenons des trois nègres, nous mettons. Le président Jovenel a été assassiné. Ça fait un an et demi. Et la situation s'est empirée. C'est-à-dire qu'il y a un creux, il y a un vide quelque part. Et c'est ça que nous devons chercher. Si nous aimons encore Haïti, si nous aimons encore le pays, si nous aimons encore notre peuple, il faut faire l'effort. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'applaudir. Avec les vannes du pied, on dit que oui, le
sanctionner tel, je sanctionner. Ça veut dire quoi? On les sanctionne pendant ce temps, le kidnapping se poursuit. On les sanctionne pendant ce temps. Le petit mamie dit oui à 20, 30 dollars. Ça sert quoi au peuple? Ça sert quoi à la population? Moi, je vais. Que les choses doivent aller d'une autre manière. Alors, sanctions en Séyoun, mais je dis en tout, il y a parlé de possibilité d'intervention, sénateur. Est-ce que question intervention force là ou pas pour lui ou même? Moi, je pense que j'ai parlé de support technique et logistique. Mais je vois ça d'une manière plutôt bilatérale. C'est pour question de charrier moun traîner dans le pays encore. Nous avons fait cette expérience pendant près d'une trentaine d'années là. Qui ça le bail? Un bon petit monde, son papa, qui l'a gué. Monsieur, un petit monde, c'est un petit monde, bon, des milliards de dollars ont été dépensés, soi-disant, au nom d'Haïti, qui va rapporter rien. Aujourd'hui, s'il y a moyen d'avoir un accord bilatéral avec un pays ami, qui peut techniquement nous aider à résoudre ce problème, oui. Mais charrier des gens, une montée descendre dans le pays, qui va habiter l'an. Et pendant ce temps qu'on n'a pas vraiment des hommes et des femmes décidés à changer le visage pays. Parce que ça nous besoin de dire, ce visage pays a nous besoin de changer. Ça veut dire nous besoin que les Haïtiens comprennent que le pays c'est pour nous lier. C'est eux-mêmes qui pour gérer une façon pour toute petite vivre bien là-dedans. Donc il faut que force en fait. Ça veut dire que moi-même, je ne pense pas que son bagage a pour apporter pays à rien. Si l'ONU a débarqué, même dans le fait avec le ministre, le ministre, je ne pas que ça n'a pas petit pays à rien. Mais par contre, si Haïti veut dire. Qui a aidé pas mal de nations dans le monde d'abord à gagner leur indépendance. Si aujourd'hui on est en difficulté, la mafia internationale nous met en difficulté. Donc il y a moyen de faire appel à un pays ami qui techniquement peut nous aider. Pas pour venir s'installer en Haïti et puis changer monde, soi-disant changer monde à gauche, changer monde à droite, qui va réaliser le pays en rien. C'est pour ça que je dis que les Haïtiens doivent d'abord se mettre ensemble. Les Haïtiens doivent d'abord comprendre qu'il y a un pays pour nous sauver, il y a un pays pour nous sauver là, il y a un peuple pour nous accompagner et qu'il faut suspendre, excusez l'expression, lancer. J'en ai fait là chaque jour, on a chuté à nos hôtels et puis sorti d'où, mais sorti de crise. Mais la crise, elle est profonde. Crise dans la matrice pays allié. Ça veut dire que les Haïtiens ne se sentent plus responsables. Ils ne sont pas patriotes. Les Haïtiens ne s'aiment plus. C'est ça que nous avons besoin de mettre sur pied aujourd'hui. Un gouvernement fraternel. Un gouvernement haïtien. Oui, mais c'est comme si c'est un miracle ou obtenu là, sénateur. Je n'attends pas de miracle. En 1803, si nous t'as parlé, ou t'es guéri à Dieu Métropole, nous t'as parlé, ou t'es qu'à dire, mais magaï là, c'est miracle, mais nous avons fait ce miracle. Non, nous l'avons fait. Non, mais t'es qu'on cause, c'est qu'on peut unir derrière on bagaï qui s'est cassé chaîne esclavage, nous t'as goûté contre lui, mais je dis là, chaque monde qui a intérêt, c'est intérêt par lui à défendre lui. Pas chaque monde. Eh bien, c'est justement. Si groupe ça, ou même moi-même, l'autre là, nous 3, 4, 5, 6 là, c'est cet appel que je lance à ces gens-là pour leur dire que l'heure est venue. Le moment est arrivé. Nous ne pouvons pas descendre plus bas encore. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose.
Moi parler, m'attendre oui, sénateur, m'attendre oui. Sénateur Richer. Ah, vous avez l'impression que je veux dire. Perdre le temps. Chita chaque matin à proposer un accord à gauche, un accord à droite. C'est le sacrifice ultime qu'il faut faire. C'est-à-dire nous asseoir sincèrement, comme disait le professeur Maniga. Il manque de sincérité chez le peuple haïtien aujourd'hui. Nous devons faire preuve de sincérité, d'honnêteté, d'amour envers notre pays et notre peuple. C'est ça qu'il faut faire. Alors moi, je veux dire que c'est vrai, en parlant comme ça, vous dites que faut que son miracle soit fait, mais Haïtien a fait un miracle à lui-même. Oui. Non, mais l'aime du miracle, là, c'est parce que c'est vrai que autant des paroles ça en plus que moi, parce qu'on gagne 3 années en plus moins sénateur, mais n'ap d'accord que Chita ensemble, rassemblement, dialogue national, conférence nationale, nous gagnons longtemps n'ap des paroles ça et pour qui ça ne va jamais fait. Parce que faut descendre aux enfers là, t'es fait. Parce que conduit nous dans cette descente aux enfers. Et je dis à la Haïtien lui-même encore vient à participer à propre descente aux enfers. Eh bien, je pense qu'à un certain moment donné de la vie d'un peuple, il faut qu'il y ait des gens. Ce n'est pas prendre, monter barricade à gauche, à faire grimace, monter, descendre, faire peuple, faire tête, faire grimace, mettre barricade à gauche, mettre barricade à droite, craser le pays. Pendant ce temps, gang a fonctionné. Parce que chaque fois que mettez barricade, c'est gang qui a multiplié, c'est bonne bagaille qui fait. Il faut stopper toute cette bêtise et mettre sous pied un gouvernement haïtien. J'ai bien dit haïtien. Moun ka pran pays en main. On nous dit on finit avec des autres ça yo. On peut, si on veut. Même parce que faut qu'on fasse. Et je dis à tout, au lieu que par exemple, c'est pas le son que m'a payé. Et ma paille radio, mais je dis à moi, c'est tout. Médias, ce travail de rassemblement, c'est pas de critiquer seulement, rester critiqué, parler mal, c'est pas ça. Il faut encourager, il faut construire quelque chose de nouveau. Il faut encourager mon yo. T'as dit par exemple, je dis à là, au vrai. Gang a multiplié dans tout côté dans le pays. Mais côté rejoint tout support ça. Mais est-ce qu'on va réaliser, sénateur Richer, est-ce qu'on va réaliser? Ce n'est pas tellement des trois grands haïtiens dans des outils qui combattent les gros âmes. Mais non, les âmes sont sorties dans l'homme, elles sont sorties sur l'autre frontière, elles sont sorties tout partout. Si effectivement une coopération devait se faire, la République dominicaine était supposée commencer par. Pas son geste. Et maintenant, la cohésion de la police haïtienne et de ce qui nous reste encore d'armée, c'est supposé faire pour nous essayer de freiner premièrement le grand banditisme qui a développé dans le pays. Regardez comment on a assassiné des citoyens. C'est pas la peine de les citer. Mais je dis à la, on peut stopper ces gens de brigandage. Et pendant ce temps aussi, il faut que les Haïtiens reconnaissent que nous ne pouvons pas faire toute la journée pour cette chose qu'on a fait. Il faut que je dis à là, nous pour tester nous en main. Tout le monde fait erreur, tout le peuple fait erreur. Nous avons fait l'erreur en 1804, nous finissons pour un pays. Au lieu de nous construire ta nation, nous chitons à bambilé, bagaille chapé dans nous. Nous trouvons des salines tout, il faut dire ça. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que au lieu de construire l'État-nation, mais ça nous fait assassiner le pays. Et chaque fois qu'il y a des citoyens qui essayent d'émerger dans le sens de construire quelque chose de durable dans ce pays, nous assassinons. Et alors, à ce moment-là, moi j'ai dit qu'aujourd'hui, l'heure est plutôt au développement de cette prise de conscience nécessaire.
Pasteur Richer. Oui. Sénateur. Science. Pour sentir que normalement son peuple n'y que pas qu'à continuer à vivre. On va faire une belle ligne là. Sénateur. Nous sommes un peuple. Nous sommes côté. Nous sommes un oui. Personne ne va respecter nous. Mais est-ce que nous pas porté au monde ça dans donne nous tout côté passé? Ou de dire. Ou de dire. La belle est pour tout. Faut qu'Aïtien dit non. Ou te dit tout à l'heure que la crise là est profonde. Mais est-ce que vous pensez que bon côté nous pour aller lorsque la société a même petit monde pas capable à l'école? Est-ce que sénateur Richer, est-ce que nous réfléchissons à qui société nous parle gagner dans 10 ans, dans 15 ans, lorsque tout le monde, parents qui ont moyen pour répétition à étudier à l'étranger, reste là pour nous dire majorité, c'est difficilement à pencher même pour aller à l'école. Et une année scolaire réduite à 3 ou 4 mois l'école seulement, ou encore à quelques semaines. L'ont-il déjà? C'est-à-dire que la situation ça, est intenable pour ne pas continuer là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cri doit être un cri national. C'est-à-dire que Radio Métropole, Radio Kiskeya, Radio et Caraïbes, en fait, toutes les stations de radio, toutes les institutions, les églises, tout le monde supposé aujourd'hui là, c'est le discours à la mode, le discours au rassemblement, le discours à la construction de quelque chose de durable. C'est-à-dire, nous devons arrêter tout ça et positionner-nous pour nous avancer dans l'autre direction. Ça, tout un peuple peut le faire si nous décidons de faire. Je ne vais pas encourager pour nous dire, que oui, et c'est un changement de gouvernement, un ceci, non. Ce n'est pas changement de quoi que ce soit. C'est une prise de décision nationale. Les Haïtiens décident qu'à partir d'aujourd'hui, voici la ligne à suivre. C'est ça qu'il faut faire. Voici la ligne, voici la direction. Et si chemin faisant, nous devons faire appel à des amis étrangers pour nous supporter dans tel type de domaine, on le fera. Mais les Haïtiens doivent d'abord se positionner face au pays, mais face au peuple haïtien. C'est pas le contraire qui a fait là, c'est pas blanc qui a réfléchi pour nous. Oui, blanc a réfléchi pour question pâle. Mais je dis à la Rendel, ouais, par exemple. Si Métropole prend 5 minutes chaque jour pour lancer un appel à cette unité nécessaire et irréversible au peuple haïtien, c'est déjà quelque chose. Ou par exemple, si je dis à la haïtien suspend à dénigrer l'autre, une autre, pour plaisir, bat bravo, chaque fois qu'on serait en difficulté, ou est-ce qu'il est fort à faire? C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, le pays a besoin des hommes et des femmes qui aient conscience que nous avons tout raté. Nous raté notre indépendance, nous raté la construction de l'État-nation. Je dis à la signe des trois grands mouns dans le pays, on suspend fait mesdames. On nous garde des pays, on nous garde des peuples là, ce peuple. Qui dans 10 ans, dans 5 ans encore, c'est pas un peuple de voyous si nous ne faisons rien. Vous songez d'abdire ça depuis, ça fait une dizaine d'années que je disais ça. Qu'il fallait faire quelque chose. Rien n'a été fait. Mais côté nous, je veux dire, 60% du territoire capital là occupé par des gangs. Justement. Des hommes extrêmement dangereux, bandits, prêts à tuer. Est-ce que nous avons quitté sa fête? Je dis à la, parce que gang n'a pas encore arrivé, dans petit coin de la Kaili, les gars, c'est sans honte, les gars, pas les poules d'eau. Et bon, la Kaili, tranquille, oui. Ça veut dire,
aucun esprit d'État-nation, de peuple, baron ni que le peuple est en train de souffrir, le peuple est en train de gémir, le peuple est en train de finir. C'est pas ça. C'est pour ça que moi j'ai dit, l'émission, quand tu m'as demandé de, si je pouvais, si je devais parler, d'où on a bien aimé. Sous ma peine, on a mélancé, et quel c'est, je peux dire, n'est pas Montana, n'est pas Peigno, n'est pas pour voir ici de l'autre bord. Je ne vais pas parler de barrettes, tu comprends, et figurons. Non, mais je vais parler de monde, quelques trois monde sérieux, deux trois monde sérieux qui existent encore dans le pays. Est-ce que vous n'avez pas honte pour voir que le pays n'a pas qu'à continuer à fonctionner comme ça? Il faut faire quelque chose. Mais est-ce que pas une prise de conscience déjà qui commençait à dégager, sénateur? Là, quand on peut le citoyen, même j'avais coup qui a un ras-le-bol de situation ça, mais tout le monde pas préparé tout le corps. Parce que tout le monde a veillé l'âme, tout le monde a veillé vague, tout le monde a veillé une opportunité pour faire appel à yo. Et ça fait que j'ai une parole que j'ai dit tout à l'heure, manquer solidarité, manquer intérêt pour mon pays. Vous pensez que c'est vrai, ce que vous dites, c'est que il y a un pile monde qui gagne, qui la perd, qui parle rendu compte que c'est vrai que vous parlez parler. Il y a des monde tout qui tellement fait bagaille qui passe ça. Ça veut dire que vous tellement, comme s'il d'adou, de bonne vision, tant qu'un cheval ou à boussale, vous mettez deux bagailles bon, j'ai le tout tête droite, les ouais. Pays pas fonctionner comme ça. Pays fonctionner avec ouverture. Pays pour fonctionner avec rassemblement. Si t'attendais, si t'as causé, c'est comme ça pays construit. C'est-à-dire, yon tendait l'autre. Mais en Haïti, pendant ces 30 dernières années, nous chitons un seul bagay. À critiquer mon gauche, détruit mon, tout le monde détruit le pays. Oui, mais pour que nous. Oui, mais pendant que je dis ça à tous les sénateurs, gagner la responsabilité de nos leaders politiques. Eh bien, c'est ça, nous, par exemple. Responsabilité en pile, dans la bonne ou mauvaise direction. Eh bien, c'est ça, crivé. Ça veut dire que. Eh bien, c'est faiblesse théorique, ça. Ils ne n'ont pas connu rien. Et puis, demain matin, ils décident que son chef lié, son leader lié. Et puis il mène dans le trou. Par exemple, Duvalier était pendant 30 ans sous pouvoir. Pendant qu'il était 30 ans sous pouvoir, tout le monde était bouche fermée. Personne ne va faire mouvement. Duvalier est tombé, on vous pète dans le pays. Une bamboche démocratique est éclatée. Tout le monde pense que c'est sauver le pays. Et puis tout le monde nous trouve. C'est pour cette raison que je dis à Haïti, si il y a des trois mouns encore créés dans le pays, qui connaît que côté Yoya, son côté grillé Haïti, c'est un pays. Il y a des hommes et des femmes qui goumaient pour te barrer l'indépendance. Ça, je dis à la. Et appel me fait à eux-mêmes pour me dire. Ramasser caractère, ramasser figure. Nous ne pouvons pas quitter un pays à dégringoler dans l'Italie, à dégringoler. Mais appel ça. À qui est-ce que vous appel ça, sénateur? Qui est-ce? Je veux lancer d'appel à tous les Haïtiens, ceux qui sont au pouvoir actuellement. Tout Haïtien qui a mis des formes de groupe chaque matin, qui a dit vous faites Montana, vous faites Peigno, vous faites ceci, vous faites cela. Je lance appel à tous ces gens-là pour leur dire écoutez, et le vaillant peuple haïtien lui-même, pour que normalement, quand on fait appel à lui, ce n'est pas pour lui mettre des barricades. Mais c'est pour qu'il puisse dire non. C'est pas pour lui entre roche pour l'apprécier. Ce qu'on n'a pas déjà. Mais c'est pour toi avec sa voix. Pour lui dire non. Il faut que les choses changent dans ce pays. Bon, président Abinader, président dominicain, dans le week-end, ça le font déclaration. Il dit que c'est pour la communauté internationale Abinader en Haïti. Pressé, pressé. Au lieu que la parle en pile là. Qu'est-ce que vous pensez de ça vous-même? Abinader, premièrement, c'est son Dominicain lié.
Deuxièmement, Abinader, je crois que c'est souverainement Abinader là que Haïtien plus et le plus bêtisé Haïtien en République Dominicaine. Donc, je crois que Abinader n'a aucune structure et statut pour parler au nom d'Haïti. Très bien. Et c'est ça qui fait que je dis à mon dit, gouvernement haïtien qui l'a connu, c'est lui-même qui vous décide faire un appel aux acteurs politiques de ce pays, mais dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'amour du pays, et dire écoutez, nous ne pouvons pas continuer à mascarader ça encore. Nous ne pouvons pas chita dans l'espace de 30 ans du mal qui était pays. Combien de fois l'armée étrangère tourne dans le pays? Nous devons arrêter tout ça. Mettez le peuple face à son destin. C'est ça qui est important aujourd'hui. Oh, ben, quittez-moi. Merci, au sénateur, pour disponibilité, pour l'effort fait pour parler avec nous matin. Hein? Et bon, bien que Gontine ait une question auditeur dit pour poser, au lieu même pas de gâter ça, pas de gâter message. Posez-le quand même, ok. Son auditeur qui dit comme ça, pendant qu'on dit ça, est-ce que la production nationale a diminué? Est-ce qu'elle baisse? Bon, ma belle, c'est quoi, bagaille? L'aime parler de production nationale, de malentrée comme production nationale. Son appel de lancer par les Haïtiens, son mise en garde de bail, oui, pour me dire que attention, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner en 20 bénéficiaires en appel là, c'est-à-dire sans mot d'honneur. Ça veut dire que sans respect pour la nation, sans respect pour le pays, sans respect pour le peuple, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. Bah, nous mentir à gauche, bah, mentir à droite, nous ne pouvons pas faire comme ça. C'est ça que je n'entends pas, production malandrin. Mais je dis à la, nous continuons à produire dans la même direction. Et c'est ça même que je dis à nous camper, nous stopper. Mais pour nous stopper, je fais appel par exemple à cette opinion, par exemple les meneurs d'opinion publique, je dis à les stations de radio, les qui gagnent, les qui se veulent journalistes, les qui se veulent par exemple. Et comment vous les têtes, vous analyse politique, qui pendant des dizaines d'années, chita là, vous n'avez pas aucune connaissance clarté pour comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on construit avec un peuple à 60-70% analphabète. Ce n'est pas d'une manière linéaire qu'on construit quelque chose, mais c'est d'une façon comme si nous l'on rassemblait, l'on mettait tout le monde dans une direction. Nos mouvances, côté que Youn a cherché, courir l'autre, aider l'autre. C'est ça nous besoin aujourd'hui. C'est pas chita appeler, ouvrir et tyranniser l'autre là. C'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est rassembler le peuple haïtien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, je lance cet appel au gouvernement haïtien actuel. Je lance cet appel aux différents groupes qui. Accord, soi-disant, qui fait pendant petit bout de période, ça y est, on me dit que on nous prend courage, nous, à deux mains, on déshabille nous de l'hypocrisie, on nous mettait la nation en face de nous, on nous campait, on nous dit le pays d'abord, le pays encore, et le pays toujours. Eh bien, c'est ça que nous fait aujourd'hui, et c'est après ça que nous n'a rien que avant fin d'année a fini, qui est ce mouvement nécessaire et inévitable pour que normalement nous avançons vers quelque chose pour nous retirer pays à nos salières.